Donc bonjour à tous et bienvenue au Japon, vidéo faite en direct du Japon, en direct de la station de métro pour ceux qui connaissent, on doit pas être beaucoup à connaître, la station Shimomaruko. Voilà, je suis dans l'hôtel, il y a toujours la télé en fond. Donc je reviens d'Akabara, j'ai fait des petites emplettes, alors c'est pas des bêtes d'emplettes, hein. Je vais baisser un peu la télé parce que le tingle. Voilà. Des petites emplettes, je me suis pécho Victory Run sur PC Engine à ce prix là. C'est bon ou pas ça? Je vous le laisse comme ça en fond d'écran. Je me suis chopé Image Fight. Il va y avoir des reflets. Malheureusement, comme il est tard, il fait nuit, j'ai pas l'éclairage optimal pour faire ça. Pour faire ça un petit peu à l'embarquer comme ça. Donc Image Fight, c'est un petit shoot, je l'ai payé 100 yens aussi. Ça, c'est un petit jeu de caisse 100 yens. En fait, si j'ai pris ça, c'est surtout pour pouvoir essayer ça, en fait. Voilà, je me suis chopé une petite Core Graphics 2 complète. Là, il y a full set. Bon, elle est en loose, mais c'est du loose vraiment propre, quoi. Vous voyez, je me suis même démené pour trouver une qui avait le couvercle à l'arrière, parce qu'on peut mettre le CD-ROM ici, là. Mais toutes celles qu'il y avait dans le rayon, en fait, il n'y avait pas le couvercle. Elles étaient tout au même prix, donc bah, j'ai pris celle avec le couvercle. Elles sont super propres, elles sont nickel. Je sais pas si j'ai fait l'affaire du siècle, mais en tout cas Akabara c'est la moins chère que j'ai trouvée. De toute façon j'avais regardé un petit peu les prix avant de partir au Japon sur des sites d'enchères et sur des sites d'importation, et de toute façon je l'aurais payé plus cher, donc j'ai aucun regret. Plus je l'ai acheté sur place, au bled directement comme on dit. Donc voilà, il va falloir que je teste ça sur la télé. Et la dernière chose que j'ai chopé à Akihabara, c'est une Super Famicom à ce prix-là. Alors, c'est marrant parce que les Super Famicom, ils les vendent en loose comme ça. Donc, soit des packs comme ça, en loose complet. Là, c'est du loose de chez loose, il y a juste un pad avec. Voilà, juste le pad Super Famicom. Il n'y a pas le câble AV. De toute façon, je crois qu'ici, ils n'aiment pas trop ça, les câbles AV avec les machines des Super Famicom. J'avais acheté une Super Famicom Junior, il n'y avait pas de câble avec. Pas de péritel, pas de secteur. Enfin, ici, ils n'ont pas de péritel, mais bon, pas de câble télé. Donc, moi, j'ai déjà les câbles, parce que j'ai déjà une Super Famicom à la maison. Mais la mienne, elle est bien jaune. Elle est bien dégueulasse, elle est d'époque. Donc là, je me suis repayé une Super Famicom, mais celle-là, elle est nickel de chez nickel. Celle comme la mienne, qui est jaunie, elle valait 1200 yens, je crois, ou 1400 yens, un truc comme ça. Donc, ça fait 14 euros à peu près. Et ensuite, il y avait des modèles à 2000 et quelques qui étaient moins propres que celle-là. En fait, c'est juste quand j'ai soulevé et que j'ai aperçu celle-là qui était vraiment d'un teint gris comme au premier jour, j'ai pris celle-là direct. Ouais, c'est quoi, 600 yens de plus. Elle est nickel chrome. C'est impeccable. Donc, j'ai chopé ça, ces deux machines, dans le même magasin. J'ai fait un peu le tour d'Akabara et j'avoue être encore plus déçu qu'au mois de septembre dernier, c'est-à-dire en septembre 2011. Là, on est donc quel jour on est, mi-mai, un peu plus de mi-mai, ouais, le 22 mai, ouais, que ce soit comme ça, le 22 mai 2012. Et donc, je sais pas s'il y a peut-être un plan derrière. Ouais, tiens, il y a un plan. Il y a un plan. Donc, c'est dans ce sens-là. Si on va voir le grand boulevard dans ce sens-là. Voilà, Super Potato, c'est derrière. Ici, on a le pont avec la JR. Il y a plein de magasins ici. En fait, avant, à l'ancienne, je sais pas si on va voir grand-chose. Mais avant, à l'ancienne, ici, là, il y avait plein de magasins. Derrière Super Potato, il n'y avait pas trop de magasins. Il fallait traverser. Mais dans les axes parallèles, là, comme ça, je sais que Tsubasa et puis... qui est-ce qui était avec moi à l'époque? Fred aussi. Tsubasa et Fred, putain, qu'est-ce qu'on a traîné dans les bruits qui étaient là. On a acheté des trucs de fou. Même dans l'axe principal, ici, là, il fallait descendre. Il fallait descendre un étage. On est genre au sous-sol. Et il y avait des bacs avec des jeux, mais partout, dans tous les sens, dans tous les sens. Et Trader ouvrait à peine à l'époque. Maintenant, ils en ont 3 ou je sais plus combien. Mais bon, c'est comme tous les prix ici, ça a vachement augmenté. Et ce qui me fait peur, c'est qu'en fait, ils sont en train de plus ou moins s'ouvrir à l'extérieur en mettant des petits logos en anglais, des trucs genre I Love Retro. Donc ça, c'est la trappe touriste par excellence. Get Your Wonder Soft World. Ouais, ok, super. Gamers Lethal Weapon. Super. Vous voyez des logos un petit peu attrape. All game is not dead. Ok, on a compris. Donc
les prix que j'ai trouvés, donc chez eux, déjà, c'est vrai qu'ils ont du matos, super potato. C'est peut-être plus cher qu'ailleurs, mais en fait, ailleurs, il n'y a presque plus rien. Parce que, je retrouve le plan, il est là. Donc, par ici, là, il y avait un bête de magasin qui était sur plusieurs étages. D'ailleurs, j'ai une vidéo où on me voit avec Fred, mon pote Fred, en train de choper des jeux Mega Drive et de fouiller partout. Ben, il n'existe plus, en fait, maintenant. La grande majorité des magasins que je connaissais à l'époque, ils ont tous fermé. Ils vendent soit maintenant des trucs, comment ils appellent ça, des mangas pour les paluches, là, les otaku, des trucs avec des nanas et tout machin, là, des trucs tout pourris. Et il y a beaucoup, beaucoup maintenant de magasins de téléphones. Ils se sont recyclés pas mal dans les housses de, dans les, comment ça s'appelle, dans les protections pour téléphone, ce genre de trucs-là. Là. Ça, je l'avais acheté il y a longtemps, mais pour l'iPhone, il y en a partout, des trucs One Piece, des machins, des trucs. C'est plein de petits gadgets. Mais alors, niveau jeux vidéo, c'est pas aussi bien qu'avant. Franchement, j'ai pas eu beaucoup de temps. Et en fait, le peu de temps que j'ai eu, je l'ai vraiment rentabilisé. J'ai vraiment été dans les enseignes que je connaissais à l'ancienne. Elles ont quasiment toutes fermées. Super Potato, il doit être un des. C'est pas le seul, mais il y a encore Trader, il y a encore 2-3 boutiques dont je connais pas les noms, en fait, parce que c'est écran japonais. Mais leur stock, il est vraiment ridicule, quoi. Il y a vraiment presque plus rien dedans. Et puis, on sent que les mecs sont en train de vider les trucs, quoi. Franchement, ça sent pas bon pour le rétro. Je pense que les tarifs ne vont faire qu'augmenter. Alors, en plus, s'ils commencent à faire des trucs comme ça, de filer des brochures avec des codes, là, des machins, des trucs, on va peut-être. Il y a sûrement un site. Bah ouais, ça se trouve, on peut commander. Tiens, faites-vous plaisir, les mecs, hein. Jetez un coup d'œil. Moi, je suis au Japon, ici, j'ai pas internet, donc je peux pas jeter un coup d'œil. Vous voyez, des petites BD comme ça, avec une espèce de Famicom. Les jeux qu'il faut avoir, etc., etc. Là, ils expliquent la technique du coton-tige pour nettoyer les vieilles cartouches. Donc, voilà. Bon, c'est rigolo, mais ça sent la trappe touriste. J'ai croisé beaucoup d'étrangers à Akihabara, beaucoup de touristes. Donc, ça continue, hein, les prix. Je me répète un petit peu, mais franchement, déçu. Hein. J'ai vu des jeux Neo Geo CD... plus cher que ce que j'ai acheté sur eBay avant de partir, quoi. Donc finalement, j'ai vraiment aucun regret là-dessus. Des trucs, je sais pas, j'ai acheté une 20aine d'euros, je les ai vus chez Super Potatoes en l'occurrence, je les ai vus à plus de 30 euros. C'est une catastrophe, franchement, c'est une catastrophe. Morale à zéro là, les mecs, hein. Morale dans les chaussettes, c'est pas bon. C'était mieux avant, hein. Franchement, c'était mieux avant. Si je retrouve les VHS de l'époque, je crois que je les ai encore chez moi, les cassettes, où j'ai été au Japon il y a une dizaine d'années. J'essaierai de mettre ça un petit peu propre sur une galette et de vous proposer ça en bonne qualité. J'espère que ça marchera bien, quoi. Mais vous verrez, il y a une sacrée différence. Une sacrée différence. Et les magasins de jeux, ils ont fermé, ils ont laissé place aussi à ce genre de truc là. Alors les nanas, elles viennent te voir dans la rue. En plus, t'as une tête de gaijin. Moi, j'étais tout seul, donc c'est genre, putain, le touriste tout seul, tiens, je lui file des trucs. Vous voyez, là, c'est Akihabara. Ben, ils ont mis des made bar. Comment ils appellent ça? Des made. Ouais, je crois que c'est ça. On bouffe, on se fait servir par une nana déguisée comme ça. C'est un peu pourri, quoi. En plus, ça doit être super cher. Là, c'est pas cette fille-là qui m'a parlé. C'est celle-là qui est venue m'accoster. Ben, elle est déjà pas. Franchement, elle est déjà pas top sur la brochure, hein, mais en vérité, c'est une catastrophe. Franchement, même gratuit, j'y vais pas dans ce truc-là. C'est pour bouffer des glaces en forme d'ourson et de petits chiens ou trucs comme ça. C'est pas. Là, c'est pour teaser un peu et manger des trucs. Bon. C'est Akihabara, c'est vraiment devenu un petit peu chelou. Hein. Sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais préparer mes affaires tranquillement. Puis je vous dis dans une prochaine vidéo. Nishitaba. Donc voilà, en guise d'espèce de conclusion. Je connais 2-3 personnes qui comptaient aller au Japon avant 2013, en fait, pour justement explorer Akihabara de fond en comble et se remplir les poches de bons petits jeux pas chers, etc. Faites pas un voyage pour ça, les gars. Franchement, je vous donnerai pas le conseil. Essayez plutôt de changer de ville. J'avais entendu dire qu'à Osaka, il y avait pas mal de matos et que les touristes n'avaient pas encore pillé les lieux et que les tarifs étaient pas encore excessif, mais n'économisez pas pour faire un voyage à Akihabara et faites pas que ça, quoi. Si vous allez au Japon que pour faire des jeux vidéo à Akihabara, ça vaut plus le coup, franchement.
Faites un bête de voyage au Japon, passez une après-midi à Akihabara, franchement vous allez kiffer, mais pas plus. Franchement pas plus. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine petite vidéo. J'essaierai de poster ça un petit peu à espace régulier, pas tout mettre d'un coup une vidéo de, je sais pas, 40 minutes ou 30 minutes, j'en sais rien. J'essaierai de mettre ça petit à petit, tranquillement, pour pas que ce soit trop indigeste. Sur ce, je vous dis à bientôt. Moi, je vais regarder la télé japonaise. Allez, Nishitaba. Voilà, c'est ce qui tourne. Hein. Nickel, 100 yens. Le jeu est complet en plus. La carte, elle est là. La console aussi. Allez, j'envoie tout ça. Celui-là, il doit être dans le même état. C'est pas super, super beau, mais bon, c'est pas non plus dégueu, dégueu, surtout qu'on est en RCA. On est en RCA d'origine sur un LCD, donc je crois qu'on peut pas faire pire. Je pense que je vais bien m'amuser avec ce petit shoot là. Ça va le faire. Sur ce, je vous laisse. Et bon jeu à tous. Nishitaba. Ça marche nickel. C'est la classe d'acheter des jeux ici et des consoles. Putain, ça marche direct. J'avais aucun doute là-dessus. Hein. De toute façon, j'ai jamais acheté un truc qui fonctionne pas ici. Donc, bah écoutez, on va se faire un petit match fight. Hein. Tranquillement. Enfin, c'est un petit shoot. Hein. Je savais déjà que c'était pas un bête de shoot, mais bon. Pour même pas un, pour un euro, c'est un peu con de passer à côté, quoi. C'est old school. Hein. Ça fait un peu Famicom même comme jeu, surtout au niveau du son. Ouais, c'est con à dire, mais je l'ai jamais eu cette machine, la Core Graph 2. J'avais eu la une, on me l'avait prêtée. Après j'ai eu une Super Graphics, une Turbo Duo américaine et une Duo Air Jap maintenant. Plus celle-là, c'est nickel. Ça, je vais pouvoir jouer à mes jeux cartes sans utiliser l'autre, la duo. C'est nickel. Ah, au fait, j'en ai quand même chié pour trouver le... Si vous venez, hein, c'est ce bouton-là, hein, pour changer les AV. J'ai appuyé partout, j'ai mis des codes, des trucs, c'était une catastrophe. Puis après, je me suis dit, tiens, c'est un quoi le bouton en haut, là? Et hop, tac. Voilà, sur ce, Nishitaba.